Les gens ne savent pas exactement ce que c'est le martyr de Saint-Sébastien. On entend dire souvent c'est un oratorio, puis il y en a d'autres qui disent mais non, c'est pas du tout un oratorio, c'est une pièce symphonique avec un récitant. Nous, à l'origine de notre projet, la volonté c'était vraiment de retrouver ce qu'est l'essence même du martyr de Saint-Sébastien dans la tête de Debussy et dans la tête de D'Annunzio. Il ne faut pas se tromper, c'est une pièce de théâtre mystique, religieuse, avec des passages musicaux. Mes frères, j'entends les lisières de la terre frémissantes comme les bords d'une bannière qu'on déplie, et le tonnerre qui relie dans les tombes l'âme des morts aux os des morts. C'est une œuvre hybride qui finalement conjugue un petit peu toutes nos recherches sur le spectacle vivant. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment réalisé notre propre adaptation du martyr de Saint-Sébastien. C'est une adaptation qui ne change absolument rien à l'ordre des 18 morceaux musicaux, mais par contre, c'est une adaptation pour 6 personnages qui sont 3 acteurs et 3 chanteuses d'opéra. Dans le martyr de Saint-Sébastien, du théâtre, de la musique, et quelque part à travers les interstices ou les fragilités du livret, la possibilité de la performance d'art contemporain. La vraie question pour nous, c'était comment en fait retrouver cette œuvre à la scène avec sa très forte composante théâtrale pour des publics d'aujourd'hui. On a trouvé que la recherche finalement, tant d'ailleurs formelle que sur le fond des deux hommes, se rapprochait de celle de Pier Paolo Pasolini dans Théorème. Parce que l'histoire, elle est pareille. Ce personnage que Pasolini appelle l'invité, c'est un très beau mais très troublant inconnu qui est invité dans une société très corsetée, c'est une famille de la grande bourgeoisie italienne, et qui apporte une révélation mystico-érotique ou érotico-mystique qui fait que chacun des personnages de cette famille en est complètement bouleversé. Je suis l'esclave de l'amour. Je suis le maître de la mort, femme. Et je te connais. Je sais que je toucherai le rouge cœur au fond de ta poitrine aride, qu'enfle le lait de la douleur. Je te connais, femme. Tu es marquée du sceau mystérieux. Tu auras un jour ton martyr, ta couronne et ton allégresse. Au fond, dans le monde contemporain, on ne rencontre que très rarement le catéchisme ou la lecture de la Bible, et on a l'impression, au fond, que si la foi existe, elle nous tombe un petit peu dessus par hasard. On a retravaillé toute une dramaturgie pour aboutir à une adaptation qui dure à peu près 1h30. Il mélange les extraits de la pièce d'origine de D'Annunzio avec des extraits très précis dans le roman et le scénario de Pier Paolo Pasolini. Le père, malade, est couché dans son lit. Autour de lui, sa fille et l'invité. La fille, en effet, ne quitte jamais, si peu que ce soit, le chevet de son père. Elle a planté sa tente là et entend bien y rester. Toutefois, le regard inquiet du père se porte bien peu vers elle. Il le dédie entièrement à l'invité. C'est l'invité que le père cherche. Et la fille le sait bien.
L'idée, c'était de retravailler la scénographie d'une forme théâtrale très précise au Moyen Âge qu'on appelle un mystère avec un M majuscule. Et c'est très précis, ça se lit en 5 séquences, 5 mentions, comme on disait au Moyen Âge, et 5 séquences qui se lisent de gauche à droite, de jardin à cour, avec des actions simultanées. C'est-à-dire que l'histoire, elle se déroule de jardin à cour, mais dans chacune des 5 mentions, il y a quelque chose à regarder en permanence. Disons, il y a 3 supports de scénographie à regarder en même temps. On a une scène qui est rectangulaire au-dessus de l'orchestre, qui est, disons, l'espace d'aujourd'hui dans lequel vit cette famille bourgeoise en 5 pièces. Les univers de Erwin Olaf, photographe, nous ont beaucoup intéressés. Il y a une très grande solitude dans ces univers qui sont extrêmement esthétisés, extrêmement lisses, qui semble finalement sans tourment, sans difficulté, et qui pourtant, dans une certaine forme de luxe, sont un véritable désert pour les êtres qui les habitent. Il y a un grand voilage qui pourrait être le rideau des fenêtres de l'appartement, mais sur ce grand voilage, on projette des images. En fait, ces images donnent une vision d'un Moyen-Âge de fantaisie, d'un Moyen-Âge imaginaire, qui est celui qui serait l'origine, le monde d'origine de Saint-Sébastien. Et régulièrement, quand on a besoin d'eux, qu'ils sont requis par la partition, les chœurs qui sont en fait debout derrière ce grand voilage apparaissent en transparence. Ainsi, volontairement, ils apparaissent au milieu des images vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on traite le chœur à l'antique. En fait, le chœur, il commente l'action, mais il participe à l'action. Mais il est pensé, il est dessiné pour apparaître au besoin, incrusté dans l'imagerie vidéo. Il y avait cette question de la foi qui se transmet ou qui s'inscrit dans la chair. Et on cherchait évidemment une traduction contemporaine. Il nous a semblé que la mode aujourd'hui du tatouage et les aiguilles finalement du tatoueur pouvaient dire quelque chose de cette foi, de ces flèches de Saint-Sébastien aujourd'hui. Par l'intermédiaire du tatouage, qui est finalement une trace indélébile, ces gens qui sont à un moment visités par la foi sont transformés à jamais. Moi, je crois beaucoup à la confrontation, à l'échange entre des artistes qui sont issus d'univers différents. Et là, ce qu'on voulait absolument, c'est inclure une partie performative. On le voulait dans la scène finale, qui est la scène du paradis. C'est pour ça qu'on a ce personnage, on a inventé ce personnage qui est muet tout au long de l'opéra, qui est... On file un peu la métaphore que souhaitait Pasolini, qui est la bonne de cette famille bourgeoise et qui est la seule à accéder vraiment au paradis dans le grand développement symphonique final et choral que voulait Debussy, où on met en place comme ça une performance qui est plus davantage peut-être issue d'un monde de celui de l'art contemporain, mais que l'on place ici au sein d'un orchestre symphonique.